Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Setup. Et on va aujourd'hui montrer le setup de KnowMySkill. Autrement dit, UMS. Bravo. Ok, bref, les potes, aujourd'hui vidéo setup. Vous me l'avez demandé un milliard de fois, je crois. C'est enfin le jour, c'est enfin le jour J. On est parti pour le setup du UMS. Transition stylée. D'ailleurs, je voulais commencer avec cette petite chaise verte à gear. Voilà, gros big up à eux parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement. Attends, par contre, c'est quoi ton accoutrement là? Je suis habillé normal, frère. Hein. Petit polo rose, petit pantalon carreau rouge blanc. Il y a aucun souci. Si, si, petite chaussette blanche. Voilà, petite chaussette Adidas en plus. C'est pas un placement de produit, mais on est là. Hein. Rien à foutre. Ah bah. Ah bah, ok, sympa. D'ailleurs, si vous voulez me voir plutôt bien habillé, les potes, vous avez qu'à aller sur mon Instagram. Il est dans la description. C'est UnknownMySkillYT. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur s'abonner. Ça fait plaisir, on est ensemble. Donc merci beaucoup à Vertaguer pour cette magnifique chaise de type gaming, hein, voilà. Je remercie également Kersus, la chaise Kersus sur laquelle j'ai eu un petit coussin avec écrit UMS dessus. Ça en vrai, c'est beau gosse, tu vois, ça, moi je peux dire, ouais j'ai une chaise à mon nom. Gros big up à Kersus et Vertaguer, ils sont hyper sympas. Après, je voulais aussi remercier qui? Je voulais remercier Elgato, parce qu'ils m'ont vraiment également aidé sur ce coup-là. Le petit fond vert que énormément de streamers ont, que tu peux baisser quand t'es pas en stream, et que tu peux monter quand tu pars en stream. Et également le petit stream deck de chez Elgato, sur lequel on peut mettre pas mal d'actions. Comme par exemple là, si je veux mettre la musique, bah je la mets. Et si je veux l'arrêter, je l'arrête. Là je viens de faire l'inverse mais pas grave. Enfin bref, tu peux faire vraiment pas mal de choses que tu dois faire normalement et qui sont assez chiantes. Voilà. Ensuite, on va parler de quoi? On va parler de mon bureau. Un bureau que j'ai fait sur mesure moi-même. Vous m'avez compris, je l'ai commandé quoi. UMS le menuisier. Du coup, bureau plutôt stylé, en forme de L, comme loser. On est ensemble, hein. Premièrement, on va parler de quoi? On va parler de mon micro. Donc c'est celui que je tiens dans ma main, c'est le Rode NT-USB. Toutes les références seront dans la description si vous voulez tout savoir. Avec sa petite perche Rode PSA1, c'est le son que vous entendez dans toutes mes vidéos, donc visiblement il est pas trop mal. Et du coup voilà, perche qui coûte pas mal cher mais qui est de très très bonne qualité. Quand je suis en vidéo, tu vois, il est comme ça, à peu près. Mais là du coup, je le tiens dans ma main pour filmer. Pour filmer. Tu filmes avec un micro. T'es pas drôle toi frérot, dis-moi toi. Eh hey, tu manques d'humour toi, eh. Ok, du coup au niveau de mes écrans, j'ai 3 écrans comme vous pouvez le voir. C'est que des écrans Asus, hein. C'est-à-dire que je suis abonné à Asus vraiment. Je suis pas sponsorisé mais je kiffe vraiment ce qu'ils font. Un 240Hz, un 144Hz et un 60Hz. Normalement cet écran là, il me sert quand je suis en live ou quoi, pour le mettre sur mon deuxième PC, donc mon PC de stream. Après je vais vous montrer mes PC. Et cet écran là, il me sert pour mettre le chat, ce genre de choses quoi. Et cet écran là, bah il me sert à jouer. D'ailleurs, on est sur Fortnite là, je sais pas si vous avez vu. Ouais, là on est en pleine game là. Là on est en pleine game, et en pleine game on nous demande de soutenir un créateur et il nous demande de mettre le code UMS. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Et bien évidemment faut accepter quand on vous demande ce genre de choses là. Donc clique sur accepter pour moi. Donc voilà, faites comme lui, créateur soutenu UMS, ça fait plaisir. Ensuite au niveau du casque, on a le HyperX Cloud 2 de chez HyperX. C'était pas fait exprès, je te jure. Bon micro, bon son, bon sexe, bon micro, bon son et bon prix aussi. Ensuite au niveau du clavier, j'en ai 4 des claviers, je vais vous montrer après. Le premier clavier c'est un Vortex Poker. Donc c'est, vous savez, une sorte de petit clavier hyper petit, fait pour le gaming quoi, qui prend pas beaucoup de place. Après on a le deuxième clavier ici. Ouais, t'es magicien frérot. Ouais, t'as vu frérot, j'ai appris pas mal de petits tours de magie dans mon enfance et tout, je les utilise. Du coup je vous disais, ce clavier là je l'utilise pour mon deuxième PC de stream. Généralement quand je suis en live et que je fais un truc sur l'autre PC, j'ai juste à faire comme ça, hop là. Au niveau de ma souris, on est sur une Glorious Model O, hyper hyper légère et très très peu chère en vrai. Il y a énormément de souris légères qui coûtent très cher, je pense notamment au Final Mouse. Mais celle là, très honnêtement, elle est hyper légère, je crois qu'elle doit faire quelque chose comme 65 grammes si j'ai pas n'importe quoi. Et elle vaut 55€, donc vraiment très bon rapport qualité-prix. Je vous la conseille si vous voulez jouer à Fortnite avec une très très bonne souris quoi. Ma deuxième souris pour mon deuxième PC du coup, c'est la Logitech G Pro Wireless, qui est une souris sans fil, très efficace si vous avez par exemple votre PC qui est loin de vous. C'était celle que j'utilisais avant pour jouer, mais maintenant comme j'ai changé, bah je la mets sur mon deuxième PC quoi. Et elle fait très très bien le taf malgré qu'elle coûte 160 boules, putain de merde. Du coup au niveau de ma gueule, qu'est-ce que j'utilise pour me filmer ma tronche? J'utilise simplement une Logitech C920 pour filmer mes mains quand je joue quoi. Et pour filmer ma gueule, j'utilise la Logitech Brio qui coûte 200 balles quand même. Donc bon, c'est assez cher, on va pas se mentir, pour une webcam. Mais voilà, elle fait très bien le taf, elle est en 60 fps. Du coup voilà, c'est vraiment parfait, on va pas se mentir. Du coup, le tapis de chez Glorious, qui est tout blanc, très très grand, qui glisse hyper bien vraiment pour les souris légères. Tout blanc. Il est blanc partout, frérot. Il est blanc partout. Ah oui, ça, c'est mon petit disque dur externe que j'utilise du coup pour mettre mes vidéos dessus, parce que j'ai pas des gros disques durs sur mon PC. C'est hyper efficace, tu peux l'emmener où tu veux. Et vraiment, c'est pas mal cool, quoi. C'est pas mal cool, ouais. La caméra avec laquelle il se
Ismaël est en train de me filmer, c'est la Canon G7X Mark II, une caméra qui coûte dans les 600€ et qui très honnêtement fait le taf. Voilà, d'ailleurs la boîte est juste ici. Voilà, c'est la première caméra que j'ai achetée de toute ma vie et personnellement elle m'a pas déçu. Après ici on a deux autres petits claviers, mais voilà, comme je vous ai dit, ceux que j'utilise le plus ils sont juste là. Un clavier Razer et un autre clavier d'une autre marque, je m'en rappelle même plus en vrai. Mais voilà, c'est des claviers de bonne qualité aussi, mais je préfère cela pour jouer à Fortnite et pour live et tout. Mais qu'est-ce que ce clavier là? Il m'a coûté 200 balles. Hein. 200 balles, c'est de la merde en vrai. Et après ici, on a une autre petite souris, celle que j'utilisais au tout début pour jouer à Fortnite. C'est une vieille SteelSeries. Elle est totalement déglinguée, on va pas se mentir. Après, l'outil de 2Gamer, si vous passez plus de 10 heures par jour, que vos parents vous crient dessus parce qu'ils pensent que vous avez niqué vos yeux en jouant toujours devant l'écran, en restant devant l'écran des heures et des heures, faut acheter des lunettes les mecs, avec des verres jaunes, du coup des verres qui rejettent les lumières bleues, comme celle-ci. Vous avez dû me les voir porter en live ou en vidéo. Des fois frérot t'es pas drôle. Vous avez un petit lien dans la description si vous voulez vous procurer ces lunettes. Code UMS12 sur le site GMG Performance. Des lunettes plutôt cool pour protéger vos yeux. Et très honnêtement moi je sens la différence. Il y a des jours où vraiment j'ai mal aux yeux tu vois, parce que je suis resté plusieurs heures devant l'écran sans me les mettre. Après je les mets mec, genre vraiment ça change. Genre je vous dis même pas ça parce que j'ai un code promo ou quoi, mais vraiment ça change de ouf. Oh mais je vous ai pas présenté le petit bro de la famille, celui qui me me fournit, ouais, qui me rasasie en termes de liquide. Oh oui. Non, vous avez... Tu veux que je t'encule? Mon petit frigo Coca-Cola. D'ailleurs, grosse dédicace à mon papa parce que c'est lui qui me l'a installé ici, vraiment. Papa, si tu regardes cette vidéo, on est ensemble. Autrefois, il y avait des boissons. Mais ces boissons-là ont fini dans les chiottes parce que je les ai bu du coup. Mais voilà, j'ai mis quelques petites bouteilles d'eau et vraiment, ça fait le taf. T'es en pleine session de Fortnite, t'as vraiment la flemme d'aller dans ta cuisine pour aller chercher à boire. T'as ton petit frigo juste ici. Il est à portée de main. Alors, là, je vais vous montrer mes PC. Mais pour tous les maniaques du câble management, pour tous ceux qui pensent qu'on peut pas être à l'aise sur un PC si on n'a pas tous ces câbles qui sont bien rangés, oubliez cette idée. Voilà, c'est juste un conseil que je vous donne. Là, vous allez voir le pire câble management de tout YouTube. 3, 2, 1, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors voilà, donnez votre avis en commentaire sur 10. Vous pouvez mais vous pouvez même donner des notes négatives. C'est-à-dire des notes qui vont en dessous de 0. Moins 4, moins 7, vous pouvez y aller. Premier PC, les potes, c'est le PC de type gaming. Donc celui que j'utilise pour jouer à Fortnite, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour jouer à Fortnite. Une RTX 2080 Ti, un i9-9900K, 32Go de RAM. C'est un monstre, très clairement. Et du coup, voilà, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Et quand je stream, j'utilise également ce PC. Ça, c'était mon ancien PC. Et bien évidemment, je vous mettrai tous les composants dans la description. Mais voilà, j'utilise deux PC pour stream, pour pas avoir de lag ou quoi quand je stream, tout simplement. Pas mal de streamers ont deux PC pour stream, mais c'est le plus optimal à faire. Voilà, si vous avez l'argent, surtout. Si vous n'avez pas l'argent, c'est pas hyper nécessaire. Mais c'est mieux si vous avez pas mal d'argent à investir dans le streaming. On a une imprimante ici de type qualitatif, une imprimante de la marque HP, je crois. Mais ça, je pense qu'en vrai, tout le monde s'en bat les couilles. Du coup, j'ai deux petites lumières pour pouvoir m'éclairer quand je fais des lives ou quoi, ou bien même des vidéos. Ça, on appelle ça des softbox. Je les avais achetées il y a hyper longtemps. Je crois que ça m'avait coûté quelque chose comme 80€ les deux. Mais le petit problème que je leur trouve, c'est vraiment, ça donne trop chaud. Du coup, voilà, et le gâteau, si vous regardez cette petite vidéo, vous savez à qui envoyer des petites lumières, vos nouvelles petites lumières. Je suis là, les potes. Pensez à moi. S'il vous plaît. Normalement je les dispose souvent derrière le bureau, mais là du coup pour filmer la vidéo setup, bah j'en ai mis une ici et une juste ici. Mais voilà, normalement elles sont juste derrière le petit bureau. Ah oui, petit dernier truc que je voulais vous montrer, ma petite poubelle made in, je sais pas où frérot, mais dans laquelle je jette absolument tous mes déchets quand j'ai la flemme de monter pour pouvoir les jeter. Ah oui, d'ailleurs faut préciser, mon setup est dans une cave. Ça on l'a pas dit mais c'est important. C'est à dire que moi il y a ma maison et vous savez j'ai un petit sous-sol. C'est vraiment la cave, c'est à dire personne ne vient ici. D'ailleurs c'est pour ça que vous pouvez voir que tout a été aménagé selon mes goûts. J'ai pas beaucoup de goût hein, mais les murs sont assez moches. Je pense qu'il y a des gens, ils se demandent pourquoi est-ce que les murs sont comme ça. C'est du placo plâtre. Ça sert généralement. Enfin moi du coup je l'utilise pour un petit peu insonoriser. Parce que ici j'avais pas trouvé de petite mousse acoustique. Mais du coup voilà j'avais mis ça. Et en vrai ça fait le taf, du coup je suis content. Puis voilà quoi. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu parce que vous avez été énormément à me demander. Je vois toujours dans les commentaires, ouais c'est quoi ton écran, c'est quoi ta souris, c'est quoi ton clavier. Maintenant vous savez tout, tout est dans la description, tout est dans cette vidéo. On se laisse les potes, à une prochaine vidéo. Ciao les boys, c'était UMS, peace. Tu fais la pub de mon code là, tu fais la pub de mon code. Code UMS, la boutique de blesse, on peut pas.